de cette messe au cours de laquelle le Père Dominique Carnier va être installé comme le nouveau curé de Beaune. Je remercie aussi toutes les autorités civiles et de la cité qui sont là ce soir, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire de Beaune, et puis les maires ou les représentants des 17 villages de la paroisse. Au nom de la communauté paroissiale de Beaune, nous remercions Mgr Guérouard pour sa présence aujourd'hui à la messe d'installation de notre nouveau curé, le Père Dominique Carnier. Soyez le bienvenu, Monseigneur, dans notre basilique. Nous vous souhaitons officiellement la bienvenue, Père Carnier, le nouveau curé de la paroisse de Beaune, paroisse que vous connaissez et y avoir été vicaire il y a quelques 30 ans. Bienvenue également, Père Fernand Toffin. Vous êtes béninois, vous avez été ordonné il y a 9 ans et étiez avant d'arriver à Londres, à Montereau. Vous serez en charge des 12 clochers, de certaines maisons de retraite, éducatées et séduites. La paroisse de Londres est composée, en raison de son étendue, de 3 secteurs paroissiaux, les 12 clochers, les 5 clochers et le secteur de Bonneville. En entendant ces lectures qui nous sont proposées par la liturgie de ce 23e dimanche, peut-être vous êtes dit, c'est bien, mais c'est peut-être un peu éloigné de l'occasion qui nous rassemble ce soir pour l'installation d'un nouveau curé. Et pourtant, y regarder de plus près, on va trouver dans les différents textes des éléments qui nous aident aussi à comprendre quelle est la mission d'un curé dans sa paroisse. Et j'invite maintenant Père Dominique, votre nouveau curé, à professer sa foi et le fait devant l'Évangile, devant la parole même de Dieu. Moi, Dominique, avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Les promesses de votre baptême, votre renonciation au mal, ainsi que votre profession de foi. En union avec tout cela et sous l'autorité du pasteur du diocèse,
Votre charge est au service de la communion entre tous. Au terme de cette belle célébration, je souhaite tout d'abord remercier notre archevêque, vous remercier, Monseigneur Hérouard, pour la confiance que vous me faites notamment, curé de Vaune. Merci d'être venu m'installer dans cette nouvelle charge. Ici, je mettrai tout mon cœur à servir les hommes et l'Évangile. Je vous remercie, frères et sœurs, ici rassemblés, pour moi et paroissiens des 17 villages des deux secteurs ruraux que l'on nomme secteur des 12 clochers et 5 clochers. Et je tiens à dire toute ma reconnaissance au maire venu m'accueillir ce soir en me remettant les clés des églises dont je deviens par ce fait affectataire. Je remercie M. le sous-préfet et toutes les personnalités civiles et militaires pour leur présence. Merci à vous, M. le pasteur, d'être venu prier avec nous. J'aurai beaucoup de joie à collaborer avec vous tous. Je suis heureux ce soir d'être entouré de ma famille, de mon cher neveu, le père Étienne Clément. De mes frères prêtres et diacres, de mes amis très chers qui m'ont rejoint ce soir, d'anciens paroissiens que me souhaitent de nommer, venus m'accompagner et me témoigner.